de la misère à accepter un verre de vin sur l'heure du midi. Oui, mais je me suis dit que ça nous rapprocherait. On vit dans la même maison. Que ça nous unirait. Ben, on a déjà fait 3 enfants ensemble. Que ça nous ferait voyager. On a déjà prévu faire un voyage à Cuba en janvier. Que ça nous ferait du bien de fêter. Fêter quoi? Mon anniversaire. Bonne fête! T'avais oublié, hein? Absolument! Pas! Tes jambes sont lourdes! Il est presque midi, faut que je fasse chauffer le dîner, là. Ben flottant! Pis si on fait pas un peu de ménage ici, là? Je l'ai entendu ton soupir. Je peux s'ouvrir les yeux? Oui, d'accord. Merci. Es-tu un peu plus détendu? Non. C'est dommage. Je suis désolée. Les mains qui se resserrent l'une sur l'autre. C'est lourd! Le froid meurtrit ma peau. Attends! Me sens mal! Ah, ben, je vais rester d'abord, hein? Ça serait plate que tu penses qu'à la fin de semaine, la sentir tellement coupable. Et tu reprends des marches! Des longues marches! L'air déçu? Ben non. Ah, c'est vrai que t'as l'air déçu. T'as déçu? T'es déçu? Non! Oh oui! Ben, je me serais vue, moi, courir avec son pied dans les champs pour chercher de l'aide. C'était un peu... C'est bizarre, hein? C'est carrément bizarre. Rendez-vous Surprise! Tout est encore en place. J'ai orchestré le sauvetage avec précision. Je suis pas capable de bouger mon pied! Dans le fond, c'est moi qui aurais installé le piège à ours. Ah bon? Oui, oui, parce que... Je suis une espionne russe. Oh, russe! From Russia. Puis tu cherches à capturer des ours québécois. Non, je cherche à capturer une femelle. Pardon? Quoi? Ben, développe. Ça fait beaucoup de poursuites pour un si petit chalet. Vagabond! Vagabond, toi-même! Mais le battez-vous? En parlant de bataille... Personne parle de bataille! Hey, si je pouvais me battre, j'étais un orchestre! Choisis la vie! T'enfonces, là! C'est l'équation qui m'a donné envie de faire l'amour. C'est l'addition de la mort puis de la vie dans la même pièce. Tu t'enfonces encore plus! On a couché ensemble pour oublier la faim. Et puis parce que tu pleurais, c'est tout. Ben, c'est ça que je dis. Absolument! Je pensais qu'on était d'accord là-dessus. On était d'accord là-dessus! Ben pourquoi tu pleures? Je pleure pas! Cet arbre-là, là! Il était tellement doux! Elle s'est rapprochée de l'arbre. J'ai tué le cancer du cerveau pour vrai! J'ai l'air drôle de même, là, mais c'est pas drôle! Excuse-moi. C'est vraiment pas drôle! Je m'excuse. Mais quand mon père est mort, il venait juste de cuire un énorme petit bœuf! OK! Ben, c'était comme un cadeau, là! OK! Ben, un héritage pour s'excuser d'être parti aussi vite. OK! Là, on a fait un plus de portions possible. Comme des tapas, on les a fait congeler. Il en reste-tu? Il en reste juste une portion. Oh, la ultima! En espagnol, là, dans le sens que tapas, c'est très espagnol. Et c'est thématique de notre rencontre. Tu dirais rien? Je dirais quelque chose. Oui, quoi? Tu dirais... Ah, c'est je... ça, tu dirais rien. Je dirais des affaires. Quelles affaires? Je sais pas ce que je dirais. Voyons, c'est pas grave, là, c'est... Dana, on dirait... Ces petites névroses étaient attachantes. OK. Puis de Sylvain, on dirait... Il aura écouté son cœur jusqu'au bout.